Allô, premièrement, bonjour et bon après-midi. Allô, voilà, à vous tous. Et malheureusement, we're not able to proceed with our tuition face to face like we usually do every time. Et ce document forme 4, nous avons plusieurs groupes. Et pour la forme 4, il y en a qui viennent dans lundi, il y en a qui viennent dans jeudi, il y en a qui viennent dans les samedis, etc. etc. Allô, voilà. Et là, premièrement, ce que je vais faire. I'm going to start with a new topic parce que, et si je ne me trompe pas, peut-être pour ceux qui n'en groupent pas lundi, alors ça se t'arrive l'eau et un petit spécifique avec moi en termes de quadratique, hein, si je ne me trompe pas, le fin arrive au quadratique formula et il y en a qui déjà fini avec quadratique formula, il finit comment se fait applications of et quadratique formula, applications of quadratics. Comment il a presque le terminé, il a juste correction à faire. So, basically, juste pour ne pas vraiment créer un mélange par ici. Alors, voilà, I'm going to start with a new topic. Then, once the imbalance gets redressed, et along the island, across the island, désolé. Alors, voilà, comment le tout retourne à la normale. Then, et we're just going to finish what is left incomplete to finish. De toute façon, il ne reste pas beaucoup de choses à corriger. Mais seulement, et mon fini et jusqu'à tout à l'heure, alors, et toujours dans quadratique, malgré mon pauvre, peut-être dans 12 sections, mon reste 2 sections à terminer avec groupe lundi, ou soit même groupe jeudi, ou soit samedi. Alors, et ce que je vais faire là, mon tout à l'heure, alors, quelles sont les sections? Parce que ça fait assez quand même beaucoup de temps qu'il me dit bien, fini passe avec les corrections, mais me dit plutôt passe avec les explications. Mais là, juste pour ne pas faire aucune confusion, so I'm going to start with a new topic, a very easy one over here, a very scoring topic, which is about proportion. So proportion is composed of two parts. Alors, ce proportion est composé de deux parties. We have direct proportion. We have inverse proportion, mais on peut aussi couvrir une troisième type partie, et direct proportion, et pour mélange et avec inverse proportion, we call it as joint proportion over here. Alors, premièrement, nous commençons avec direct proportion, et dans footage qui m'a couvert pour aujourd'hui, m'a couvert le tout en entier. We're going to cover everything on direct proportion, et pas oublier avant qu'il vraiment, je passe avec les notes. Et aussi avec exemple 1. Alors, premièrement, je ne vais pas oublier. Et I'm going to upload des vidéos. Et non, I'm going to upload des vidéos. Pour finir mes vidéos là avant qu'ils me mettent ça là, de toute façon. Alors, please make sure that. Et je viens vraiment vérifier vidéo. Je viens vraiment finir et vérifier vidéo qui me l'envoie. Je on how to proceed with the tuitions online. Ça veut dire. Comment vraiment on peut penser pour faire lien? Je m'aurais dit aux autres par ici, je n'ai qu'un abrégé de vidéo là, je n'ai fini de mes pensées avant qu'ils se payent ça et foutent les gens, même de toute façon. Et so, basically for this one, et là, après session pour aujourd'hui là, là, je vais vous dire aux autres qui jouent aux autres vidéos en ligne pour toutes les questions related to the videos. Et aussi, voilà, comment est-ce qu'ils peuvent faire correction? Toujours les corrections, les trouvent toujours dans vidéo on how to proceed. Et aussi, voilà, pour finir les autres jusqu'à tout à l'heure, et quel jour qu'ils ont proposé en ligne pour nous capables de faire les corrections de devoir. Ok, it's good for this one. If you have any questions over here, et après, je vais finir les autres vidéos sur YouTube, alors je n'ai qu'à envoyer moi un petit message dans votre groupe respectif sur WhatsApp, juste pour être capable vraiment de poser moi toutes les bonnes questions, etc., etc. And please make sure that you're doing all homeworks over here because you have enough time now. Il y a suffisamment de temps. Alors voilà, à moins qu'à part profiter davantage, bosser, faire sa main grade 3, la vie grade 2, faire sa main grade 2, la vie grade 1, et faire sa main grade 1, la vie peut-être main classée. Ok, it's good. Allez. Premièrement, voilà, let us have a look at it. Alors, vous trouvez que vous finissez dans une zone ça, en termes de photos, vous pouvez faire le maximum, vous faites les un PDF. Alors, ça, c'est votre note. Allez. On commence avec la classe maintenant. Alors, ce que vous avez trouvé, title, c'est proportion. Subtitle, c'est direct proportion. L'indice comme ça dedans que, if x and y are two variables, if x and y are two variables, such that. Alors, voilà, nous mettons un coup qui veut dire ça. Peut-être pour ceux qui ne finissent pas la note là, alors peut-être que vous en avez un petit qui se dire qu'est-ce que ça, c'est quelque chose de très simple. Mais il n'y a rien de difficile dedans. Let us have a look at it. Allez, l'indice comme ça que y is directly proportional to.
Ensuite, il dit ça comme ça. Why varies directly as? Ensuite, comme troisième partie, why depends directly on? Alors voilà, ensuite à la fin, il met X. Cela veut dire quoi ça? Let us get into detail over here. Alors, premièrement, voilà, ça trois là veut dire la même chose. Quand nous cause direct proportion, alors voilà, mon réel went good quand nous peut cause direct proportion. Si la question dit why is directly proportional to x. Si la question mentionne why is directly proportional to x, définitivement vous comprenez que c'est dans direct proportion. Mais si toutefois les dit why varies directly as x, est-ce que vous pouvez connaître que c'est dans direct proportion? Est-ce que vous pouvez connaître que ça, les tombes dans cette section direct proportion, now you should know about it. Ok, it's good, parce que c'est très très mentionné clairement que why is directly proportional to x, why varies directly allows as x, and why depends directly on x, allows tous les trois veut dire la même chose. Ok, it's good, ça veut dire why depends directly on x, veut dire que y is directly proportional to x. Y varies directly as x. C'est la même chose que y is directly proportional to x. Y depends directly on x. C'est la même chose que y is directly proportional to x. Alors, c'est bien bien que ça va pas être là parce que il y a un qui lui fait examinateur. Il n'y a pas de dire y is directly proportional. The examiner wants you to lose the marks. He wants to confuse you. En place, si pas, il dit why is directly proportional. Simplifie ce avis. Il complique ce avis. Il dit why depends directly on x. Ou soit why varies. Alors, voilà, directly as x. Tout ça là, c'est la même chose que why is directly proportional to x. Maintenant, je peux trouver. Nous n'écrivons là que when using a mathematical notation. When using a mathematical notation, alors voilà, we have y, après un symbole, après un x, code symbole, là veut dire proportionality notation. Look at that good qui veut dire ça. Let us have a look at this one. Allez, premièrement là, suivez-les bien là, parce que ça commence à partir maintenant même là. Let us have a look for this one. Si vous dites ça comme ça que y, si vous dites ça comme ça que y is directly proportional to x. En termes écrits, nous pouvons écrire y is directly proportional to x. Mais comment nous mettons ça en mathématiques? En mathématiques, comment on écrit y is directly proportional to x? Alors souvent, des fois, on appelle comme un petit poisson. Ok, it's good, voilà. Y is directly proportional to x. Alors nous écrit y, un petit poisson, voilà. Et ensuite x. Si vous disiez les autres, y is directly proportional to z. Y is directly proportional to z. Voilà. This is how you would have written the same. Y, petit poisson, ensuite z. Ok, it's good. Abbas, please stop laughing over there. Alors, voilà. Alors, y is directly proportional to x. Alors, voilà. Leaving y, ensuite petit poisson, ensuite x. Ok, it's good for this one. Pas de difficulté. Maintenant, voilà, so basically, ça symbole là, ça c'est symbole, is directly proportional to, get bien, y is directly proportional to x, si vous écrivez comme ça, mais ça veut dire y is directly proportional to x, mais ça veut dire ça symbole là, c'est symbole is directly proportional to. Ok, it's good, so we call this symbol as proportionality symbol over here. Ok, it's good, this is the proportionality notation. Now, basically, qui nous besoin faire tout le temps quand vous êtes dans ce petit poisson là? Là, comme prochaine ligne, qui vous besoin faire, Livini? Vous remplacez ce petit poisson là par est égal à K. Voilà, petit poisson remplacé par est égal à K. Ça veut dire Y is directly proportional to X. Livini Y, petit poisson X. Là, voilà, petit poisson remplacé par est égal à K. Ok, it's good. Alors, par exemple, si vous dites y is directly proportional to z, voilà. Maintenant, what does it further develop to? It further develops to y is equal to kz, remplace petit poisson par est égal à k. Ok, it's good for all of you. I hope that on this part, we have no difficulties. Now, even if you have any difficulty, alors, moi pour finir, dire après tout bon vidéo là, pour
et les autres groupes pas, les autres groupes chat sur WhatsApp, mais pour finir, les autres qui jouent, les autres dégainent pour venir en ligne, les autres finissent que tous les bonnes vidéos bien. Si toutefois, les autres bonnes comprennent vidéo numéro 1, c'est la deuxième minute, les autres dégainent pour dire moi, voilà monsieur, vidéo numéro 1, comment ils viennent comme ça? I'm going to explain it to you. Ok, c'est bon, ça veut dire en d'autres mots, là, moi, je donne les autres toutes bonnes vidéos là. Les autres get bonnes vidéos là, as much as necessary. Zone risque de ban vidéo là, la quantité de fois nécessaire. Voilà, zone rewind, zone play, zone pause. Alors voilà, you keep on going like this. Zone une journée vous êtes fini. Mais dans zone à moins 24 heures temps, à 36 heures temps, juste pour zone garder tous zone ban vidéo. Alors voilà, zone capable garder tous zone ban vidéo comme est nécessaire. Là, juste pour être capable de venir, nous avons besoin d'un lien spécifique. Peut-être que ce sera jeudi tantôt, jeudi à 5h. Je vais mettre un rendez-vous avec Zot. Alors voilà, Zot n'est qu'un abou d'avoir monsieur connaît vidéo numéro 1, je ne vais pas comprendre la deuxième minute. Comment allez-vous faire comme ça? C'est tout là, c'est tout. Hein? Je vais vous donner une heure, temps, une heure et demie full pour être capable de poser moi toutes les bonnes questions. Ça veut dire en d'autres mots, quand je pique toutes les bonnes vidéos ici, en d'autres mots, quand je pique toutes les bonnes vidéos, et make sure que tout le monde que je ne comprends pas, je finis notre lit bien. Vidéo numéro 1, 2ème minute, 12 secondes. Finis notre lit. Tout le monde que je ne comprends pas, alors voilà, I'm going to allow you to query about any part of any video at any time factor that you did not understand. Je connais les questions, les bonnes problèmes pour moi. It never was a problem. Allez. So, getting further to this topic now. Alors, c'est ça qui veut dire ça va être boring, non, ça va être bien. Je vous trouvez dans la première page. Je vous trouvez tout ça va être parti en bleu là. Tout va être parti qui est en bleu, c'est ça même qui me fait qu'explique ça là. Voilà, tous les parties en bleu. Alors, voilà, c'est ça même qui me fait qu'explique ça par ici. Alors, voilà, ça veut dire why is directly proportional to x, why depends directly on x, and why varies directly as x. Alors, tout ça là veut dire que y is directly proportional to x. And it's going to fall onto the direct proportion section. Okay, it's good for this one. Make sure that you recognize it well for the exams. Allez, look at that good part ici, comme exemple 1. Allez, let us have a look at example 1. Example 1, c'est un peu comme ça. Express each of the following in terms of the variation symbol. Deuxième partie, in terms of variation constant. Alors, comme partie A, nous avons comme question. Nous bisons exprime partie A, c'est y is directly proportional to the square of x. Allez. Y is directly proportional to the square of x. Let us have a look at this part. N'oubliez to the square of x. Nous sommes ce question là. Nous mettons y is directly proportional. Nous mettons comme y is directly proportional. Alors voilà, to x. Comment je peux dire y is directly proportional to x? Y is directly proportional to x will be written as this. The two d'accord, y is directly proportional to x is written like this. Ok, it's good. So, basically, quand on lit dans sa forme là, quand on lit dans sa forme là ici, là nous dire comme ça que lit dans proportion symbol. Voilà, ça c'est proportion symbol comme on explique tout à l'heure là. Maintenant, la même chose, mettez-le en termes proportion constant. Alors, si bien y remplace par son port est égal à k, alors si bien y est égal à kx. Alors, voilà, ça veut dire y is directly proportional to x en termes proportion symbol. This is the answer. Et y is directly proportional to x en termes proportionality constant. This is the answer. K is called the proportionality constant over here. Ok, it's good. K, c'est lui-même qui n'appelle comme proportionality constant. Petit poisson, c'est lui-même qui proportionality symbol. Let us have a look at part A maintenant. Allez, nous mettons un coup de clé pour la partie A. Partie A, y is directly proportional to the square. Y is directly proportional to the square of x. Allez, sa première partie, sa deuxième partie. Toujours pour la partie A. Allez, nous mettons en termes de symbole. Y is directly proportional to the square of x. Qui veut dire ça? To the square of x, qui veut dire? To the square of x veut dire x square.
to the square of x with the x squared to the cube of x with the x cube. So y is directly proportional to the square of x, will be written like this. Y is directly proportional, c'est y, petit poisson, to the square of x, c'est x squared. Terminé, voilà. Est-ce que les deux forment proportionality symbol? Yes, it is in terms of proportionality symbol, so it is good over here. Maintenant, la même chose, nous vous avons mis en termes de proportionality constant. Trop facile. How do you put the same in terms of proportionality constant? Proportionality constant, comment nous mettons en termes proportionality constant? Nous n'avons qu'à vous substitute ça, petit poisson là, nous remplace si par est égal à k. Alors voilà, l'ibin y est égal à k, x square. So this is the same over here, but in terms of proportionality constant. K is called the variation constant or the proportionality constant. Par contre ici, ça c'est notre proportionality symbole qui m'a rappelé comment un petit poisson depuis tout à l'heure. Ok, it's good, allez. Maintenant comme première partie, ce partie B, et comme deuxième partie, ce partie B. Please make sure qui avant qui vraiment vous pouvez suivre n'importe qui vidéo avec moi, qui à moi vous êtes, avant vous pouvez suivre cet exemple là, make sure qui comme quoi, vous êtes une finie copie ça dans votre cahier. Make sure qui exemple 1 est fini copié dans un cahier. Ensuite, les là, quand vous avez fini copier exemple 1 là, les là, vous avez cette vidéo. Quand vous avez fini comprendre vidéo là, les là, vous avez dans un cahier. Attention, vous avez une petite vidéo, vous avez une question, vous avez comprendre qui veut dire, alors, vous avez fait une vidéo ultra. Vous avez fait une vidéo dans, et dans un full HD form, juste pour que vous trouvez bien au tableau là. Mais non pas, je peux trouver bien au tableau là qui peut écrire, mais cette fois-ci, c'est la question même. Ok, it's good, les mathématiques, ça ne marche pas, juste avec, comment dire, ton parler ça. C'est pas littérature, ou soit un autre sujet là, vous êtes. Je vise à tous les deux. Trouver, ça veut dire visuel, à cause ça même, on met tout le YouTube, juste pour que vous gagnez le tout bien clair. Mais je aussi vise à, je vise aussi dans une question devant vous. Je ne suis pas capable de rester moi lié à la question la même. Ces questions-là coûtent 3 la ligne, je ne suis pas capable de faire ça là. Alors, make sure that, comme l'instruction, premièrement, que vous avez fini de copier toutes vos notes, avant de get vidéo pour exemple 1. Exemple 1, ce question, bizarre fini de copier dans le cahier, sans réponse là. De toute façon, réponse là est dans la vidéo. Léa là, vous get votre vidéo. Quand vous avez fini de get votre vidéo, vous comprenez la vidéo là. Quand vous avez fini de comprendre la vidéo là, là voilà, vous mettez votre vidéo en pause, vous copiez, vous avez une réponse. Tant qu'ils ne comprennent pas, ils gaspillent, vous mettez dans votre cahier. Hein. Ok, it's good. Allez. Nous continuons pour la partie B. Partie B, il dit nous comme ça. Y varies directly as the square root of x. So for this one over here, y varies directly alors as the square root of x. Maintenant pour les examens, ça c'est pas une question difficile. Qui ça fait qui est compliqué là-dedans? C'est sa partie varies directly as. Vous trouvez même souligné. Varies directly as. Mais qui sont ils apprennent? Varies directly as depends directly on. Tout ça là veut dire is directly proportional. Et qui veut dire is directly proportional? Is directly proportional veut dire ça petit poisson là. Et petit poisson qui veut dire? Petit poisson veut dire égal à K. Ok, je peux bien saisir là. Je vais rendre dans tous les détails nécessaires juste pour être capable de gagner une parfaite maîtrise de topic là. So please cooperate. Allez, nous mettons un good boy ici. Y varies directly as square root of x. Y varies directly as. Once again, varies directly as qui veut dire? Varies directly as. C'est la même chose que. Is directly proportional to, ça veut dire l'ibin y petit poisson. Ensuite, voilà, square root of x. So this is your square root of x. C'est ça la réponse. Est-ce qu'il y a un terme de proportionality symbol? Oui, il y a un terme de proportion symbol, ça veut dire l'ibin correct. Et comment nous faisons l'ibin en terme proportion constant k? L'ibin y est égal à k, root de x, n'est qu'il y a un problème là, petit poisson. Bon, on peut trouver un gros poisson ici. Alors, ce n'est qu'un arbre en place poisson là-bas est égal à K. Allez, comme partie C. Y is directly proportional to the cube of X.
Y is directly proportional to the cube of x. Vous pensez que c'est une infinie, vous voyez maintenant comment vous avez écrit. Comment vous pouvez faire pour y is directly proportional to the cube of x? Comment vous pouvez faire y is directly proportional to the cube of x? Voilà, vous pensez que tout est fini bien. Alors c'est y. Comment c'est directly proportional? Alors c'est là pour penser direct type poisson. To the cube of x, c'est x cube. To the square of x, c'est x square. To the cube of x, c'est x cube. Maintenant voilà la même chose pour ici. Qui est pouvini? L'épouvini y est égal à. Nous remplace type poisson là par est égal à k. Alors si vin est égal à kx cube. Ok, it's good for this one. C'est une bien ces idées là vous autres. Pas de difficulté pour cette partie-là. Allez, comme partie D maintenant, let us have a look at it. Partie D, comme question, il dit, si capital depends, si capital depends directly on once again, please beware vous autres. Please beware over here. Il dit, comme ça, si capital depends directly on the four fruit of R. Si capital depends directly on the four fruit of R, let us have a look at this one. Allez. Comment nous pouvons faire pour cette question-là? Once again, depends directly on. C'est ça même qui nous pourrait servir pour les pièges. Parce que c'est des services directly proportionnels, n'importe qui élève pour faire. Ça veut dire en d'autres mots, depends directly on qui nous pourrait vraiment comme si, mais ça preview. Mais les autres commencent à dire apprendre et les autres bizarres retenir l'information aussi. That depends directly on means what? Depends directly on means. Depends directly on means what? Depends directly on. C'est la même chose que is directly proportional to. Ça veut dire voilà. Why? Depends directly on. C'est la même chose que why is directly proportional to. Alors voilà. Les bouvines Y, petit poisson, to the four fruit of R. Ah, nous allons faire une goutte maintenant. Allez, dis-moi. Si vous dites, square root of R. Comment vous pouvez écrire square root of R? Comme ça. Comment vous pouvez écrire cube root of R? Comme ça. Comment vous pouvez écrire four fruit of R? Voilà, c'est comme ça. Four fruit of R, ça s'écrit comme ça. Comment vous pouvez écrire n fruit? Comment vous pouvez écrire and fruit of R. Ça allait être comme ça. Fifth fruit of R. Comme ça. Alors, de non indiennu, why varies directly on fourth fruit of R. Varies directly on. Mon redire, when good. Alors, si pareil, comment is directly proportional to. Comment nous connaissons, il paraît comment directly proportional to. N'est qu'un pour mes petits poissons. Bien bon. Fourth fruit of R. C'est R. Ensuite, ça capte, il vous tombe dans sa petite agroge ici là. Voilà. Est-ce qu'il est en termes de proportion notation? Oui, il est en termes poisson là, non. Ça veut dire qu'il est en termes proportion notation. Maintenant, toujours la même chose ici comme partie D. Allez, fais-le finir en termes de. Fais-le finir en termes variation constant. Fais-le finir en termes de proportion constant. Voilà, en termes de proportion constant. Nous remplaçons type poisson par est égal à K. For fruit of R. Ok, it's clear so far. Now, basically, for all parts that you do not understand, tout le monde ne comprend pas ici. Alors, you feel free. Comme vous donnez un rendez-vous, après demain, vous donnez un rendez-vous là, de toute façon. Comme vous donnez un rendez-vous après demain, alors voilà. Et. Tout va bon si je ne comprends pas, je finis de moi. Ça veut dire ça, je vais appeler comme vidéo numéro 1, ou soit ça c'est question numéro 1. Je n'ai qu'à dire moi, monsieur, dans question numéro 1, je ne comprends pas 5 minutes 30 secondes. Qu'est-ce que ça, comment une vie comme ça? I'm going to video record it and answer to your queries. Ok, it's good for this one. It's best way for us to work with. Si nous servons Skype, nous servons Zoom, alors je vous donne moi bien, je vous trouve moi bien tout, mais je ne pas vous trouver table là bien. Je vous trouve ça casse-cassé. Et vous dansez au table là, n'est pas bon. Ok, it's good. Alors, so this is best way for us to communicate parce que comme on dit, unlike other subjects, mathematics needs to have the voice and also the clarity of the whiteboard. Ce n'est pas un sujet que nous avons expliqué, juste avec explication, sans l'aide d'un tableau.
Si je ne pas trop tard, là, les minutes, c'est pour cela que je peux passer pour ça, man. High quality videos, ça. Les écoute moi aussi beaucoup de temps. So you please cope over here. Je ne pas faire les choses plus difficiles. C'est déjà difficile. Qu'il est pour moi, qu'il est pour vous. Mais voilà, je peux pas toujours apprendre. Alors, in the confines of your home, c'est ça qui est important, là, hein. C'est ça qui est plus important. Allez. Comme partie E. Let us have a look for the last part. Partie E, l'indienne, comme ça, S capital is directly proportional. Ah, directly proportional. Bien, bien facile. Allez, nous écrire du jour. S capital is directly proportional. Je suis d'accord, directly proportional, c'est poisson. 2, K minus 1. S capital is directly proportional to K minus 1. Voilà, ça c'est dit comme ça. Is directly proportional, c'est petit poisson. S capital is directly proportional to K minus 1. Alors voilà, il vient S capital, petit poisson, K minus 1. Maintenant, voilà, c'est ici qu'il vient un problème. Tout le temps, qui vont dire les autres bizarres faire? Nous bizarres remplace ça petit poisson-là va être égal à K. Maintenant, est-ce qu'ils ont une des acastètes qui fait nous servir à la K? Par exemple, moi, pour nous servir X. Est-ce qu'ils nous servent A, B, C, D? Oui, nous servent A, Z. Mais simplement que nous sommes d'accord pour servir la plus bas X. Un B, Y. Par ici, nous sommes d'accord qui pour nous remplacer sa petite poisson-là, nous servir est égal à K. Mais est-ce qu'il manque un droit servir un autre? Oui, bien sûr, vous êtes donc un alphabet. Bien sûr, nous servir. Ça, c'est standard notation, nous c'est égal à K. Mais le problème ici, S capital avec K capital, les deux amours variables. Mais pas capable de servir K maintenant pour représenter ce petit poisson là. Guette bien. K c'est quoi? K c'est proportion constant. Variation constant. Constant veut dire qu'il peut représenter un chiffre. Have a look at this. Y, X square. Y, root X. Tout ça, c'est une partie qui m'a fait souligner là. Ça, c'est une variable, ça. C'est une variable. Tout ça, là, c'est une variable, là. Voilà. Ok, it's good. Tout, c'est une variable. R variable, Y variable, X variable, Y variable, X variable, Y variable. Il y a les mêmes comme ça. S variable, K aussi variable. Ok, it's good. Mais ça, petit cas là, c'est proportion constant. Proportion constant qui veut dire proportion constant. Si je ne pas comprendre qui veut dire proportion constant, à moi c'est très essentiel que vous connaissiez qui veut dire constant. Un constant veut dire qu'il peut représenter une valeur par ici. Il peut représenter une valeur. Ok, it's good. Ça veut dire variable, valeur, c'est valeur. Maintenant, alors, je ne suis pas capable ici, code mon cas. Mon K peut représenter une variable. Maintenant, ici, si moi je mets égal à K, égal à K, c'est une variable. Égal à K, c'est une valeur. Ça, K, tout ça va être égal à K qui nous peut remplacer là. Tout va être petit poisson. Tout va être petit poisson va être égal à K. Est-ce que ça, K là, il peut représenter une variable? Non, il peut représenter une valeur. Par exemple, Y égal à K, X. Capable, K, il donne valeur 2. Mais Y pour S, Y, X pour S, X, à cause ça, on a besoin de variable. Qui fait un besoin de voyage parce que zut, zut pas pour changer zut. Mais par contre, une constante, c'est quelque chose qui. Une constante, c'est quelque chose qui peut représenter une valeur qui nous pas encore connaît. Guette comment t'as l'air, pas de KX. Là, moi, je connais Kali 2. Là, moi, je connais Kali 2. Alors, voilà, on remplace K par 2. Ok, it's good. Mais voilà, ça veut dire en d'autres mots. Cela veut dire en d'autres mots que nous pas capables de servir. Même alphabet pour nous variables et même alphabet pour nous constantes. Maintenant, rappelle bien, ben, variables, vous êtes fixés, vous n'avez pas gagné le droit sans nous variables. Si vous avez Y avec X, vous n'avez pas gagné le droit de faire limite A avec B. Alors, Y, vous avez Y, X, vous avez X. Ok, c'est good là. Ici, S, vous avez S, K, vous avez K. Alors, si vous avez S est égal à. Ici, nous prenons K moins 1. Mais qui va vous mettre ici? Moi, petit remplace petit poisson.
Moi, je tire en plastique pour son poids égal à ta. Mais moi, je dis à nous voyables, avec nos grands standards de proportionnalité, il n'est pas capable même alphabet. Alors, de ce fait, le fait qu'il n'est pas capable même alphabet, alors nous servir l'autre alphabet. Qui alphabet je t'en vie servi? Disons, nous dire comme ça, je t'en vie servi A. Voilà. Je vous dis moi comme ça, c'est dire, mais monsieur, ici, est-ce qu'il nous dit qu'il y a le droit de placer K, nous mettre A? Bien sûr que oui, je gagne le droit de mettre A. C'est juste que, comme on dit avant le mathématicien, en mathématiques même, nous tombons d'accord que chaque fois nous prenons place si poisson port, nous prenons place si poisson port est égal à K. Mais ce n'est pas nécessairement, ça veut dire que bien, quand on a YX, mais égal à K, quand on a AB, mais égal à K, mais quand K même est variable, je ne sais pas pourquoi pas servir égal à K, là, là. Je sais bien l'autre alphabet, mais quand je sais bien l'autre alphabet, ça veut dire ici, mon remplace si poisson port est égal à A. Là, je juste attire l'examinateur là sur l'attention. Je dis comme ça, where A is the constant of proportionality. Fais-le connaître que A n'est pas une variable, mais que A, les mêmes qui peut représenter ça, K qui nous habite, servi tout le temps là. Ok, it's good. Qui fait nous prendre K, servi K once again ici? Parce que S avec K, les pétons comme nous voyables, voyables avec constant. Je ne pas gagner droit, même alphabet. Alors, tout le temps comme technique. Quand je voyable aussi les K, tout le temps comme technique maintenant, quand je voyable aussi les K, je ne pas pour casser V égal à K. Je vous ai servi le d'alphabet. Alors, voilà, je casse V, disons, égal à A. Ok, it's good for this one. Oui, ni S aussi, je ne peux pas gagner droit servi. Fait comment dire, je peux dire comme ça, allez, on dit comme ça, pas gagner droit servi. Quand est-ce qu'il faut gagner droit servi S? Non, il ne faut pas mon alphabet qui ne peut pas servir comme mon constant. Alors, si par exemple, mon voyable, en termes S avec K, ça veut dire mon gagner servi. Dans 26 alphabets qui existaient, mon gagner servi tout à bord S avec K. Ok, it's good, parce que S est mon voyable, K est mon voyable, alors si mon représente mon intégral de mon constant, sa constant elle est bien représentée par l'alphabet, oui, mais le fait qu'il y ait un constant est bien différent avec le band voyable sur l'alphabet, alors je casse et n'importe qui 24 alphabets qui restent, alors apporte S et K là. Ok, it's good, alors voilà, ça c'est pour exemple 1 ici, I hope you have well understood it, et pour tout band parti que je ne comprends pour exemple 1, alors pas oublier vous autres, je n'ai qu'un an. Et jour qui vous donne un autre rendez-vous après demain. Bon, vous donnez un autre après demain. Vous vous dites tout à l'heure, ce sera quelle heure pour possible. Ce sera 5 heures. Si je ne pas comprendre vidéo numéro 1, alors ce dernier parti, je ne pas comprendre l'hypothèse D, je ne peux pas comprendre qui fait parti C comme ça, je ne peux pas comprendre qui fait 5 minutes comme ça, la 4e minute, alors je n'ai qu'un voice record, je ne peux pas parler à personne, message moi, je n'ai pas de question, parce que je ne peux pas vous avec la X, square, faux fruit, tout ça là, alors en termes message, parce que nous pouvons dans MATLAB, et le WhatsApp passe via MATLAB, c'est un software code, et automatique, il finit en termes algébraïque. Alors, je ne pas pour écrire ce bonne question, mais je ne peux plutôt voir ce qu'on dit. Alors, and then you upload it dans le groupe itself. Je ne peux pas voir ce qu'on question. Monsieur, voilà question numéro 1. Parti, je ne pas comprendre. Réexplique-moi pour un coup de s'il vous plaît. Pas de problème. Moi, vous pourrez faire une vidéo. Moi, vous pourrez expliquer, je dis. Pas de difficulté pour ça. Et aussi, moi, pour les autres, je vais voir aujourd'hui même. Et moi, vous dire, voilà, à la fin, tout bonne vidéo là. Pour qui joue ce bonheur de bonne séance correction et pour les devoirs. So, this is example one over here. Moi, pour aussi prendre en photo. Comme ça, pour ceux qui finissent comprendre le tout bien, quand je vous ai copié là, je peux mettre la vidéo là, je pose. Je n'ai que zoom de la photo là. La photo là, elle est bien éclairée là. Ok, it's fine.